Israël a mené ces dernières heures des frappes aériennes sur des zones proches de la ville de Homs, dans le centre de la Syrie. Les autorités syriennes indiquent avoir intercepté plusieurs missiles et ont fait état de pertes matérielles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG établie au Royaume-Uni disposant d'un vaste réseau de sources à travers la Syrie, ces frappes ont ciblé des sites du Hezbollah et des dépôts de munitions, faisant un mort et quatre blessés, tous membres des gardiens de la révolution islamique d'Iran.